Donc, chers camarades d'Afrique, on va... Roméo, on va aborder la question du Burkina, du Mali, du Niger, avec la Russie. Et puis, on va aborder la question de Draman. Il faut qu'on attaque Draman. Draman, c'est un voleur. À vieux fouet. Quand Bablé dit à vieux fouet, c'est ça. Zo, les bé. Draman Ouattara, zo, les bé. Écoutez ici, chers camarades. Tension à Sipulu. Conflit entre agriculteurs et forces de l'ordre sur la question des saisies illégales des récoltes. Ce que je vais vous expliquer là, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. L'être humain même là, ça le dépasse. Écoutez ici. Hein. Tension à Sipulu, conflit entre agriculteurs et forces de l'ordre sur la question de saisie illégale de récolte. Dans les contrées de Sipulu, une région riche en cacao, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, un climat de méfiance s'est installé entre les vaillants paysans et les autorités représentées par les gendarmes. Depuis des mois, les villageois et les chefs coutumiers dénoncent vigoureusement les agissements des forces de l'ordre, les accusant d'harcèlement et de saisie illégale de leurs précieuses récoltes. Est-ce que vous avez compris, hein? Les gendarmes viennent prendre... Je vous ai montré une vidéo, là, la dernière fois, c'est sur mon TikTok. Les gendarmes viennent prendre de force les cacao des paysans. Cacao et puis café des paysans, là. Depuis des mois, ils rentrent. Mais dans quel pays sommes-nous? Chers camarades, dans quel pays sommes-nous? Mais comment tu peux aller en tant que gendarme, comment tu peux aller prendre récolte des paysans pour aller à ça? Pour aller donner ça à Draman? Non, pas Draman. Le fils à la femme de Draman, Loïc Folorou. Chers camarades, est-ce que ça là, on fait ça à quelqu'un? Est-ce que ça là, on fait ça à l'homme? Les pauvres planteurs, ils ont fait un an pour venir récolter leur cacao. Ils récoltent et ils vont casser leur maison et ils prennent les récoltes. Et ils s'en vont vendre eux-mêmes. Et les gens, ils sont là comme ça. Parce qu'ils ont des armes. Je vais voir si je peux attraper la vidéo très rapidement sur mon TikTok là. Oh, c'est pas ici. Ça y est dans mon téléphone ça là. Ça y est dans ce téléphone là. Sinon, j'allais vous montrer tout de suite. Ça y est sur mon TikTok. Sûrement, bon, on connaît. J'ai même mis ça sur mon Facebook. Ils vont voler le cacao des gens. Pourquoi? Il faut vous mobiliser. Hein? Mobilisez-vous demain 13. On va aller dénoncer tout ça. C'est pourquoi j'ai demandé aux associations de venir. On va dénoncer tout ça. Les récits d'injustice se multiplient à travers la région. Avec ces saisies rapportées à Bloma, Sema et Glan Gualeux. Regardez. Hein? Reportées à Bloma, Sema et Glan Gualeux. Trois villages. Les gendarmes opérant parfois de manière intimidante traumatisent les populations locales. Le chef de canton souligne le caractère excessif de ces actions, appelant à une intervention urgente des autorités pour restaurer
la paix et la justice dans la région. Azonouye, Benjamin Doué, président de la société coopérative Scoop Kaiga, fait remarquer les dérives subies. Son magasin a été fermé. Eux, ces précieuses récoltes saisies par les gendarmes qui prétendent que l'établissement n'est pas régulièrement déclaré. Pendant toutes les procédures légales, toutes les procédures légales avaient été suivies, selon Doué, qui dénonce une grave injustice. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les cacao déjà et ils disent que le cacao est mal stocké, le cacao est ceci, les procédures d'urgence ne sont pas. Mais pendant ce temps, vos maudits, vos bas pieds, pendant ce temps, l'Union européenne se plaint. Non, pas l'Union européenne. Le domaine de, je dirais, le département des Nations Unies qui s'occupe du climat, là, se plaint de la déforestation de la Côte d'Ivoire. Mais c'est plein de la déforestation de la Côte d'Ivoire. Et l'Union européenne même avait eu tendance à vouloir renoncer au cacao issu de déforestation. Mais pourquoi vous ne luttez pas contre la déforestation? 90% de la forêt ivoirienne est déjà partie en fumée. 90% de la forêt ivoirienne est à terre. Oui, quand Draman est arrivé là, nous avons dit vite. Oui, depuis la rébellion, les forêts classées qui étaient au nord, ils ont tout vendu, ils ont tout détruit. Draman et ses rebelles. Pourquoi vous ne vous offusquez pas contre ça? Pourquoi vous ne luttez pas contre ça? Et les planteurs qui viennent stocker les cacao, vous venez saisir ces cacao là pour aller vendre ça. Bande de badjou, bro. Vous allez mal mourir, vous tous. Au nom de Dieu, vous allez faire accident à un bateau. Vous allez faire accident à un bateau. En plein midi. Mais pourquoi les gens peuvent être méchants comme ça? Pourquoi les gens peuvent être méchants comme ça, chers camarades? Moi, je ne comprends pas les gens. Pourquoi tu peux être méchant comme ça? Hein? Mais s'il n'a pas bien stocké, il faut lui apprendre à bien stocker. Vous-même, là, vous partez en moto dans ces localités-là. Vous ne partez pas en voiture. Camarade, mettez le cœur, tapotez. Vous ne partez pas en véhicule. C'est les Kia. Vous prenez pas là-bas. Parce qu'il n'y a pas de route. Les routes sont gâtées. C'est quoi tout ça? On est où là? Viens là, il faut qu'on le chasse. Il faut qu'on chasse Draman. Merde! C'est comme ça qu'ils ont fait. En 2019. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2019. Ils sont partis au nord pour aller ramasser à la carte des gens. Et ils ont dit qu'ils revenaient pour venir leur donner l'argent. Ils sont plus revenus. Et récolte des gens est partie comme ça. Il y en a qui ont pris crédit pour arranger leur champ. C'est parti, fiat. Maintenant, c'est les gendarmes maintenant qui viennent voler les carottes des gens. Pourquoi vous êtes maudits? Draman, là, il n'est pas humain. Il vous parle, Draman, là, il n'est pas humain. Tu vois sa tête, André. Tu vois sa tête, André. André, fesse de singe. Waouh, là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Nous, on est enfants des planteurs. On connaît la souffrance des planteurs. Nous, on a été planteurs. On connaît comment le planteur souffre.
Ce qui me fait mal même, quand tu es sous tes plantations, ce qui me fait mal même, c'est que guêpes, les guêpes là, ils viennent te piquer. Quand guêpes te piquent comme ça, ça gonfle ta tête comme ça. Souvent les guêpes là, ils aiment piquer ici. Ils aiment piquer ici là. Quand ils piquent ici comme ça, là, ton œil là s'enfle comme ça. Souvent même tu es en train de travailler, puis toute ta paume là est gâtée. Maman Chalet, merci pour les étoiles. Ta pomme là est gâtée. Les gens finissent de faire cette souffrance là. Vous venez voler leur cacao. Leur récolte. Moi, je n'ai pas parlé dedans encore. C'est Dieu qui a s'occupé de vous. Dieu va s'occuper de vous. Bande de maudits. Comment chers camarades d'Afrique, comment? Je n'ai même pas envie de parler d'Adjoumani. Je n'ai même pas envie de parler d'Adjoumani. Adjoumani dit... Non, ça me fait trop mal, chers camarades. On va aller au Niger. Niger a bonne nouvelle, Niger a bonne nouvelle. La Russie a mobilisé plus d'une centaine, je dis bien, d'instructeurs russes pour aller former les Nigériens à manier les missiles sol-air, les missiles anti-aériennes qui ont été achetés, qui ont été acquis par les autorités nigériennes, par le président Abdrahman Tchani. Aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, avec ces dispositifs sécuritaires anti-aériennes, si Macron a fait voler encore, et qu'un drone mal placé, ou bien un hélicoptère mal placé pour venir espionner, non, on peut le mettre à terre au Niger. Je remarque. Chers camarades d'Afrique. Et Tchani, c'est un 10. Tchani, c'est un chef. C'est un dur. Abata. Chers camarades d'Afrique, on va écouter cette vidéo. Et Bokoni revient avec les décortiquages les plus appropriés. On est parti. Tapoter, mettre le cœur. Demain, c'est demain. Demain, c'est le 13. Écoutez ici. Ce jour, 26 juillet 2023. Depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Niger s'est engagé dans une nouvelle voie l'amenant à diversifier ses partenaires dans divers domaines afin d'affirmer davantage sa souveraineté à la face du monde. Une nouvelle voie qui rime désormais avec une coopération gagnant-gagnant dépourvue de tout complexe. C'est dans cet esprit que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général des brigades Abdrahman Tchani, a eu un entretien téléphonique le 26 mars 2024 avec son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le renforcement d'une coopération stratégique multisectorielle et globale entre le Niger et la Russie pour faire face aux menaces actuelles, notamment sécuritaires, était le point d'orgue de cet échange téléphonique de portée historique entre les deux chefs d'État. Et comme pour donner un contenu concret à cette nouvelle coopération, nous avons assisté ce mercredi 10 avril 2024 à l'arrivée à Niamey d'un Ilyushin 76, un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord instructeur militaire du ministère russe de la Défense. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger et pour aider en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires. Pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Il s'agit donc pour la Fédération de Russie de nous doter et d'installer par elle-même un système de défense anti-aérien à même d'assurer le contrôle total de notre espace aérien. En outre, ces instructeurs militaires russes assureront une formation de qualité à nos militaires
pour une utilisation efficiente du dit système. Avec cette nouvelle acquisition du matériel militaire, notre espace aérien connaîtra désormais une meilleure protection. Situé sur l'axe Agadir. Vous avez compris? C'est-à-dire que les systèmes anti-aériens nous dernière génération frère, tu t'amuses, c'est-à-dire que tu t'exploses en l'air. C'est-à-dire qu'il t'envoie le missile. Bip! Et le missile te poursuit. C'est un missile qui poursuit. Hein? Ce n'est pas un missile où on vise. Et puis quand ça rate, ça rate. Non. C'est des missiles à guidage laser. Ok. C'est-à-dire que quand il décolle comme ça, là, quand il a sa cible, non, il suit sa cible. Mais quand sa cible rentre, il rentre. Quand sa cible sort, il sort. Ok, vrai, you know, c'est-à-dire que si on tape, on a fait rentrer tes coordonnées, puis on dit lui là, va l'attraper. Il faut dormir. Ben, il va t'attraper pour te mettre à terre. C'est les missiles comme ça qui sont arrivés là-bas. Puis c'est rapide. C'est ça là. Les Américains, Antonio Guterres, Antonio Blinken, il a vu au Mali. Et que les satellites américains ont détecté ça au Mali. Quand ils ont détecté au Mali, là, frère, ils ont eu peur. Mais ça, il y en a au Burkina. Il y en a au Burkina. Il va installer ça. Il va faire installer ça. Maintenant, on dit Tchani n'a qu'à faire installer. Tchani a fait installer ça. Donc, à l'air, là, non. Tu peux pas. C'est-à-dire que Tu t'amuses, tu dors. Barabana. Je salue le peuple nigérien pour sa résilience, sa détermination à en finir avec le vieux monde, à en finir avec les relations paternalistes de Macron. Il salue ce peuple nigérien. Il salue le président Tchani pour son abnégation, pour sa détermination à offrir la liberté, la souveraineté totale à son pays. Il salue ce monsieur et son équipe. Et par ricochet, il salue toute l'AES. On nous parle de Assimi Goïta. Parce que Assimi, quand il a dit que les partis politiques ont été suspendus, là, il a dit encore les médias, là, les médias ne peuvent plus couvrir des activités des partis politiques. C'est fini. Donc, s'ils doivent aller au Ouré, là, ils n'ont qu'à aller au Ouré dans leur chambre. Il n'y a pas de médias là-bas. Même Gorgo n'y va pas là-bas. C'est un camarade d'Afrique. Mais moi, je suis suivi. Hein? Ouais, ça. Voilà, moi, j'ai suivi. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me regardaient là. On était à 1200 personnes. Là, on est à peu près 200 personnes sur TikTok aussi. Non, on est suivi, il est menu. Voilà. Donc, il n'y a personne qui va là-bas. Mais les médias français, là, France 24, RFI, TF1, ceci, CNN, Nyama, frère. Ils ont chargé ça. Assimi. Liberté d'expression. Liberté de manger tchèp. Liberté de manger tomate avec piment. Liberté de faire ceci. Mais, je ne comprends pas. Camarades, on va réfléchir ensemble. On va trouver quelque chose. Covid-19, là. Corona des blancs là. Ça allait où? Et puis comment c'est fini même? Parce que ça a disparu un coup comme ça. On n'a rien vu dedans.
Hein? Quand Poutine a commencé la guerre de l'Ukraine, là, coronavirus a disparu. D'accord ou pas? D'accord? Ok. Coronavirus, c'était un moyen. C'était un moyen d'empiéter sur la liberté d'expression des gens. C'était une manière de museler les gens. Ça aussi, c'est une vérité. Coronavirus, là. Ça aussi, c'est une vérité. Aujourd'hui, tu as les mêmes symptômes que quand il y avait leur moment là. Hein? Tu as les mêmes symptômes que quand il y avait leur moment. Mais quand tu vas, on dit que tu n'as pas ça. On dit que tu n'as pas ça. Alors que c'est les mêmes symptômes. Alors qu'avant, pendant 2019, 2020, 2021, non, elle dit non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle est morte de ça. Il est mort de ça. Mais moi, vous connaissez, je n'ai pas fait le vaccin. Oh, moi, j'ai piqué. Jamais tu as me piqué. Moi, tu ne me piques pas. On dit tu as perdu. Il dit patron de travail, il ne veut plus même. Moi, je ne travaille plus pour toi. Tu as me piqué, mets l'eau sale dans mon corps. Jamais. Je n'ai pas fait. Et je dis voilà. Ils ont ciblé les enfants. On dit, il faut signature des parents. J'ai dit, si c'est celui des parents pour faire là, moi, mon enfant, il ne va jamais faire. Et celui qui fait, assure mon enfant, je porte plainte contre toi. Mais je porte plainte contre toi, il ne m'arrête pas à plainte. Hein. Je vais te lancer sort. Il m'a envoyé le vieux au village, et puis il va te lancer un crotique dangereux. Et tu apprendras. Non, moi, mais ne pique pas. Regardez aujourd'hui, en France ici, fausse couche est devenue monnaie courante en France ici. Avant, c'était une fausse couche sur 4 grossesses, mais aujourd'hui, c'est 2 fausses couches sur 4 grossesses, sinon 3 même. Après, ils disent « faites des enfants ». C'est la réalité. Vous pouvez vérifier. Posez des questions aux gens. Ils vont vous dire. Faut qu'il y ait des monnaies courantes dans le pays. C'est tout ça, c'est à cause des moments là. Après, ils vont venir dire tu es complotiste, Non, le complotiste, ça va. Mais nous, là, nous, on ne rentre pas dans votre complot. Pourquoi, dès que l'Ukraine, affaire de l'Ukraine commence, on oublie Corona? C'est ça, il faut comprendre les choses, camarades. C'est un complot qu'ils avaient monté contre l'humanité. C'est ça qui est la vérité. Et il y a des gens dont un panel de médecins ont porté plainte contre eux. Pfizer, ils ont porté plainte contre Pfizer. Moderna, ils ont porté plainte contre Moderna. Pour crime contre l'humanité. Les entreprises de vaccins, ils ont porté plainte contre eux pour crime contre l'humanité. Et ils ont été, comment on appelle ça, la plainte a été reçue. Ah, l'ONU qui doit gérer cette affaire-là, oh, l'ONU a oublié. Oh, Gaza, Ukraine, Boucha, Moucha. Ils ont oublié ça. Mais ils ne savent pas que nous, on sait qu'ils ont fait exprès d'oublier. Oh, et ça va ça. Mais nous, on sait. Nous, on sait ça. Donc, il ne veut pas nous faire ça. Non, il ne veut pas nous faire ça. Regardez quelque chose, chers camarades de l'Afrique. Parce que je parle ça pour que l'Africain comprenne ce qui se passe en réalité. Parce qu'on ne va pas se limiter à Bas-Congo, à Djoumani. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut aller au-delà. Regardez ce qui se passe. Chers camarades, regardez ce qui se passe. L'ONU. Parce qu'ils sont allés attaquer Assimi Goïta, hein. Dis non, Assimi Goïta en train de violer ceci, cela. Mais l'ONU dit que l'échauffement climatique est en train de tuer les gens. Vous avez vu, cacao a augmenté jusqu'à 5500 au Cameroun, là.
c'est parce qu'il n'y a pas eu bonne récolte. Il n'y a pas eu récolte. Pourquoi il n'y a pas eu récolte? Parce qu'il y a échauffement climatique. Maintenant, quel est le facteur principal de l'échauffement climatique? C'est les gaz à effet de serre, le CO2. Mais ces gaz à effet de serre-là, ça vient d'où? Ça vient de l'exploitation du pétrole. D'accord? C'est le pétrole, là. Quand on exploite, ça devient gasoil, ça devient essence, ça devient ceci, ça devient cela. C'est ça qui fait ça. On est d'accord, non? Là, on se suit, non? Ok. Maintenant, on dit, si on renonce au pétrole, l'échauffement climatique va baisser. Aujourd'hui, là, on est encore en avril. Demain, il va faire 22 degrés. Avril, en France, en Europe. Demain, on dit, cette année-là, l'été sera très, très chaud. Il y a beaucoup de vieilles femmes, vieilles mamans, vieux papas qui vont tomber. Ils ne pourront pas supporter. Vous comprenez ça? Donc, on dit de faire baisser le changement climatique si on renonce au carburant. À l'hydrocarbure, comment on appelle ça? Ouais, je dirais au pétrole, au produit pétrolier. Mais, est-ce que il n'y a pas de produit de substitution au pétrole? Est-ce qu'il n'y a pas de produit de substitution au pétrole? Si, il y en a. C'est quoi? Le gaz naturel. Le gaz naturel. Il peut faire bouger avion, il peut faire bouger bateau, il peut faire bouger tout. Et puis, il n'émet pas de CO2. Il n'émet pas de gaz à effet de serre. Il ne pollue pas. Sinon, il pollue très, très moins. Mais ce gaz naturel-là, il se trouve où? Il se trouve en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans la zone de Taoudéni. Il se trouve où encore? Il se trouve en Côte d'Ivoire. Il se trouve en Russie. Il se trouve un peu partout. Mais pourquoi on ne renonce pas à ça? Parce qu'il y a des industries de pétrole qui sont déjà là. Total, Shell et leur compagnie là. C'est eux qui vont, comment on appelle ça, qui vont faire du lobbying auprès de la COP28 et que du département des Nations Unies qui s'occupe du climat là, ils vont leur donner l'argent pour ne pas que on mette fin aux produits pétroliers. C'est pourquoi l'Union européenne a voté dans 35 ans il y aura la transition énergétique. Vous comprenez ça? Mieux, le glyphosate, s'il ne m'abuse, c'est ça le glyphosate. Voilà, le glyphosate, c'est un produit agricole qui est utilisé par les Français ici. On dit ça pollue. On dit que ce n'est même pas bon pour l'être humain, ça fait du cancer, ça donne cancer. Ils sont partis dans COP28 là, on dit ils ont les associations sont montées au créneau pour qu'on renonce à ça. Les mêmes fabricants de glyphosate là, ils ont donné l'argent à ces gens là et ils n'ont pas renoncé à ça. Et l'ONU, Antonio Guterres, RSC, avec sa tête André B. RSC là et il a regardé ça. Et personne n'en parle. Le monde continue de se chauffer. Les animaux continuent de mourir. Il y a des zones qui seront plus habitables dans 10 ans. Le Pas-de-Calais, en France ici, dans 10 ans, dans 10-15 ans, si la température mondiale n'est pas tombée,
on ne pourra plus vivre là-bas. Mais on préfère sacrifier la vie des gens que de faire la transition énergétique pour en bas de qui aura des conséquences sur les gens là. Les lobbies pétroliers. Bon, tout ce bourbier là est placé sur les Nations Unies. Vous n'avez pas encore mis de gérer ça. Hein? C'est Assimi Goïta qui dit je suis en guerre. Donc mon pays ne peut pas organiser l'élection là. C'est lui, vous allez dire, lui son problème, vous allez mettre ton problème au centre. On ne va pas l'accepter. On ne va pas accepter ça. Pour Assimi Goïta. Le Mali n'a pas accepté ça. Le Mali est en guerre. Une guerre que vous avez transportée. Une guerre que les Nations Unies elles-mêmes a participé à la création et à alimente. C'est la vérité? C'est la vérité. C'est aux Nations Unies sont allés s'asseoir et ils ont pris la résolution pour aller détruire la Libye et ils ont tué Kadhafi. C'est aux Nations Unies qui ont pris la résolution. C'est pas après la mort de Kadhafi qu'il y a eu le terrorisme. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Et des puissances de cette même Nations Unies, ceux qui ont le droit de veto, sont des pourvoyeurs de terrorisme. Des sponsors de terrorisme. Ils donnent des armes aux terroristes. Ils donnent de l'argent aux terroristes. Il s'alimente ce terrorisme-là. Et le Mali n'a pas encore fini de vous combattre et vous dites non qu'à organiser l'élection. C'est vos grands-pères qui vont avoir organisé ici. C'est vos grands-mamans qui vont organiser ici. Mais au lieu de venir parler beaucoup, beaucoup là, Assimi Goïta a porté plainte contre Macron aux Nations Unies. Mais c'est là-bas. Allez gérer ça. Allez gérer ça. Vous ne gérez pas ça. Hein? Vous ne gérez pas ça d'abord. Hein? Ah, c'est l'élection, là, il n'a qu'à faire. On fait rien. Tant que le pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Ah, bata, ouais, ouais. Ou bien Zelensky n'a qu'à organiser l'élection d'abord. Si Zelensky organise l'élection, nous aussi, au Mali, on va organiser l'élection. Mais tant que Zelensky n'a pas organisé l'élection et que le pays est en guerre, les trois pays sont en guerre, une guerre que vous nous avez imposé. Il n'y a pas d'élection ici. Il n'y a pas d'élection. À Bata Kokoti, élection Teke. Demain, samedi, vous qui êtes en France ici, là, venez avec beaucoup de photos d'Assimi Goïta, beaucoup de photos d'Ibrahim Traoré, beaucoup de photos du président Tchiani. On va présenter comme ça, pour dire qu'on a écu. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Chers camarades d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous demande de partager la vidéo, de mettre partout à travers mon entier. Oh, Bakongo, j'ai répondu à Bakongo hier. Voilà. Pas me tailler sur ce gars-là. Mais c'est Assalé qui me fait rire. Lui, il veut aller à l'assaut du pouvoir d'État. Bon, je pense que peut-être qu'il va faire coalition avec Simone Gbagbo. Peut-être. Mais bon, de toute façon, Simone Gbagbo est avec le PDCI qui est avec nous. Ça va. Ça va. Au Mali, il y a près de 217 partis politiques. Ce n'est pas association. 217 partis politiques près au Mali. C'est ça, il veut faire en Côte d'Ivoire. Il veut créer 2000 partis politiques en Côte d'Ivoire en 2025. Quand on va vous dire d'aller chez parrainage, vous n'avez pas pouvoir avoir parrainage. Et vous allez bavarder. Et vous allez dire, vous voulez poste. Mais si Assalé crée son parti, c'est bon qu'on ne peut créer parti. Mais
Pourquoi créer parti politique? Pourquoi créer mouvement même? Laisse-moi, les gens me disent, moi, je ne crée pas mouvement. Moi, je ne crée rien. Moi, j'ai un leader. Il s'appelle Gbagbo. Il faut pouvoir mettre sa personne en parenthèse. Et puis lutter pour l'intérêt commun. Et là, comment Draman est en train de voler nos planteurs. Nos pauvres planteurs. Quand je pense à ça, j'ai mal. C'est moi, je suis planteur. Je suis enfant de planteur. Plantation, c'est dans ça, les planteurs, ils scolarisent leurs enfants. C'est dans ça, ils nourrissent leurs enfants. C'est dans ça, ils font leurs projets. C'est dans ça, ils font tout. Mais si tu viens leur voler ça, donc ils doivent attendre la campagne prochaine pour pouvoir vivre. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Donc, on se dit demain, pour ceux qui sont en Europe, demain matin, demain 13h00, place Trocadéro. S'il plaît à Dieu. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président Biko de Wa 2025, Inch'Allah. Les gars, on est ensemble. À demain, Inch'Allah.